Le président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, Hassan Haddad, a déclaré à Rabat toujours que le Maroc fait face à un nombre d'eurodéputés qui se servent du Parlement européen comme plateforme pour attaquer le Royaume de manière organisée avec de grands moyens. Je propose d'écouter. Cette crise dont il est question, c'est un problème qui concerne le Parlement européen, cette question de corruption. Cette crise a instigé un climat de crainte et on a donc ça a créé une sorte de panique, d'où cette résolution, car autrement cette résolution n'aurait jamais vu le jour. Donc je vais vous donner quelques chiffres. Cette année, il y a eu 112 questions à l'encontre du Maroc. Donc des entreprises qui travaillent avec Bruxelles, qui ont beaucoup de moyens, nous les connaissons tous. 112 questions contre les intérêts du Maroc. Seulement pour cette année, 18 tentatives de modification. Toujours ces modifications. Donc, au niveau des commissions, si ces modifications ne sont pas acceptées, on procède autrement. Il y a eu 18 tentatives de modification qui, encore une fois, sont contre les intérêts du Maroc. Donc, il y a clairement, le Maroc clairement est visé. Donc, s'il n'était question que de quelques modifications, ce serait normal. Mais clairement, c'est loin d'être une coïncidence.